La Hollande est reconnue pour ses tulipes, mais savez-vous que les bulbes qui donneront les premières de ces magnifiques fleurs proviennent d'un producteur local? Nous sommes allés à la découverte d'Eurobulb, une entreprise soustonnaise. Tôt le matin, devant les grands champs de tulipes, une poignée de tracteurs se trouve au garde à vous. Ici débute la récupération des bulbes de tulipes. Nous sommes cultivateurs de tulipes et notre production, ce sont des bulbes. Alors qu'en général, quand on dit tulipes, on pense nécessairement fleurs. Et nos bulbes vont faire des fleurs précoces l'année prochaine dans des serres en Hollande. Vous avez vu d'abord le tracteur de broyeur qui coupe les feuilles qui sont encore vertes. La méthode qui a changé, c'est au niveau du broyage. Avant, on faisait le broyeur, donc broyeur faucheur à l'arrière, qui est comme un taillet qui rentre sous la terre à peu près de 3 cm. On a eu des dégâts sur des plantations qui étaient très irrégulières. Alors du coup, on coupait des bulbes. Alors maintenant, on a cet appareil qui est à l'avant, avec ce rouleau qui appuie la fleur, la tige. Ça sert à... On appuie. Et ensuite le rouleau, une barre carrée qui tire la tige en arrière. Ce qui fait que ça casse la tige, donc ce qui fait que le bulbe ne remonte plus et on n'a plus de soucis de couper les bulbes et tout. Ensuite, vous avez vu le tracteur d'arracheuse. Tracteurs fourches d'approvisionnement de caisses vides et qui enlèvent les caisses pleines. Puis enfin le transport vers l'entrepôt qui est à Soustons dans un grand caisson. On pose un caisson au sol qui prépare à Soustons pendant qu'on en ramène un autre. Tout cela se fait dans un enchaînement redoutable grâce à une bonne entente et à un travail d'équipe efficace. Et donc ces tulipes font les fleurs les plus précoces du marché. On trouvera les fleurs chez les fleuristes en décembre de l'année d'après. Au marché de gros, le prix moyen d'une tulipe est de 20 à 30 centimes d'euros. Par la suite, chaque pays met son propre tarif. Elles arrivent en Hollande à partir de la semaine prochaine. Les fleurs issues de bulbes de Hollande arrivent un mois plus tard que celles de Eurobulb. Elles vont entrer en traitement frigorifique pendant l'été. Elles ont donc un hiver artificiel qui commence au 15 juillet et entrer dans une serre au mois d'octobre, comme si c'était dans la nature au mois de mars. Et elles font une fleur au mois de novembre et décembre, comme si c'était dans la nature au mois de mars-avril. Et donc à ce moment-là, les fleurs sont chères. Ce sont les premières du marché. Donc là, nous avons de bons résultats de culture et là, des variétés rares et chères. Tous nos clients sont aux Pays-Bas. C'est là que se trouve le marché des fleurs coupées. Les pays de l'Est se découvrent une passion pour les tulipes coupées. Cela donne naissance à un tout nouveau marché.